nous retrouver, Christophe Dugarry et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Ouais, le plaisir est pour moi, Grégoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être ici. C'est un jour important pour les joueurs et pour les supporters. On connaîtra aujourd'hui le nom du champion. Pouvez-vous nous livrer vos impressions générales, Christophe? Beaucoup de rivalité entre ces deux équipes. Espérons que le match sera à la hauteur. Écoutez ce stade vibrer, vraiment vibrer, trembler au moment où l'arbitre donne le coup d'envoi. On va voir ce que nous réserve ce match. Ils ont toujours le contrôle du ballon. Stoker. C'est une faute. Coup franc accordé. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Il va peut-être marquer. La défense devra faire attention sur cette touche. La précision sur ce centre. Il a trop soulevé son ballon. C'est une grosse pression qui est exercée en début de match. Ça, c'est clair. Ils ont pris le match à bras le corps et ça se concrétise par cette belle première frappe. Dans la surface de réparation. Le ballon franchit la ligne. Corner. Qui au point de chute dans la boîte. Il est en bonne position pour centrer. Touché là-bas un partenaire dans l'axe. Oh, il lui a carrément confisqué le ballon. Terrible erreur, ils sont en danger maintenant. Il garde ce ballon, il peut continuer à attaquer. C'est toujours aussi solide dans la surface. Il faut faire le bon choix. Heureusement, il était bien placé. La touche est concédée, elle peut être dangereuse. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il va peut-être marquer. Ballon détourné par le défenseur. Ballon brossé vers le but. Défensivement, ça reste parfait. Frey. Il s'impose et récupère le ballon. Oh, le gardien est en danger. Allez, la frappe. Et c'est au fond. Oh, le début de match parfait avec ce premier but marqué très tôt. Quel coup dur pour l'équipe adverse. Michel Fati touche le ballon, il ne se pose pas 50 000 questions. Il n'a qu'une envie, c'est la mettre au fond. Ça me rappelle de superbes souvenirs. Écoutez ça et profitez de cette ambiance magnifique dans le stade. On a atteint la 15e minute de cette première période. Stoker. Et le ballon passe en sa possession. C'est toujours aussi solide dans la surface.
chaud dans la surface. Le ballon est toujours dans ses pieds. Tranquille le gardien, c'est au-dessus de sa transversale. Ah, c'est tout de même pas encore ça. Hein. Il n'aura pas manqué grand-chose, mais c'est encore insuffisant. Attention, danger! La frappe! Oh, c'est dedans! Et deux buts d'avance maintenant, ça leur donne un petit peu plus d'espace pour gérer la rencontre. Stoker. Quel geste défensif, il l'a arrêté net. C'est chaud pour le gardien. Stoker. Bien joué, ça c'est un superbe geste défensif. Il renvoie le ballon à son partenaire. On a presque atteint la demi-heure de jeu. Oh, il est tombé du côté obscur, l'arbitre siffle, c'est normal. Il est en bonne position pour centrer. Stoker. Et voilà un ballon bien rendu. Ça manque de précision. Il est en bonne position pour centrer. La bonne interception. C'est le moment de centrer. Dans la surface. Bien la frappe. Eh oui, c'était imprécis, bonne interception. Stoker. C'est propre et efficace, il lui a pris le ballon. Stoker. Ça passe au-dessus, vraiment au-dessus. C'est quand même bien d'avoir confiance en soi, mais là un petit peu présomptueux tout de même. Il n'y a plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Stoker.
Il est en bonne position pour centrer. Vers le point pénalty. Une intervention propre et nette pour récupérer le ballon. Attention, l'action dans l'axe. Encore, il peut frapper. Voilà un bon dégagement. Stoker. Déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Et en effet, c'est une avance plutôt confortable. Mais attention, il suffirait que l'adversaire marque un but pour tout remettre en question. Et les joueurs qui regagnent les vestiaires sur ce score de 2 à 0. La suite dans quelques secondes. Pour cette seconde période, à eux maintenant d'enfoncer le clou. Stoker. Il s'empare du ballon. Et cette ouverture interceptée, le danger est éloigné. Le défenseur avait tout lu. Centre détourné. Au milieu de la surface. Et il marque. Voilà, 3 buts d'avance. C'est solide. Ça va leur permettre de parvenir. Quand on connaît son jeu de tête, c'est au but de le prendre dans les 18 mètres. Il n'a plus qu'à regarder le tableau d'affichage. C'est propre, belle intervention. Il peut marquer. Début à la suite, ils sont inarrêtables. C'est pas le pied gauche qu'il a mis, c'est une main, il a fait vraiment ce qu'il en veut. Stoker. Le danger semble écarté. Stoker.
peut marquer. Le ballon sur la tête. Ça n'échappera pas au gardien. Attention au positionnement, il est hors jeu là. Long dégagement devant. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Attention, il faut s'appliquer sur les centres. Il a dégagé. Bon contrôle. Bien vu, bien joué. Et ils vont effectuer cette touche. Premier changement de la rencontre pour cette équipe. Ah, il a raison, à ce moment du match, il peut faire tourner l'effectif. Il a assez d'avance pour pouvoir le faire. C'est une bonne stratégie. Il est en bonne position pour centrer. Il récupère le ballon, ça va rassurer tout le monde. Dans la surface. Heureusement, il était bien placé. Frey. Attention, danger. De la défense. Ballon bien redonné. Touche. Il récupère le ballon. On est presque dans le dernier quart d'heure. C'est important, ça s'échauffe au long de la touche, il pourrait y avoir des changements. Voilà, ce sera une remise en jeu. Stoker. Et le ballon passe à l'adversaire. Du gardien. Oh, quelle frappe! Non, ça passe au-dessus, bien tenté pourtant. C'est bien fait dans l'intention, Grégoire, mais la réalisation laisse un petit peu à désirer. C'est vraiment dommage. Stoker.
C'est le moment de centrer. Et le défenseur écarte ce ballon de la tête. Moins de 5 minutes avant la fin du match. Il peut frapper. Dans la surface de réparation. Quel geste défensif! Il a une touche dans le camp adverse. Et c'est là le dernier changement autorisé dans cette rencontre. On sent bien que l'entraîneur, à travers ce changement, a un petit peu envie de tester son remplaçant pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ils ont 4 joueurs dans la surface. Stoker. Il a choisi de jouer long. Et c'est fini, le coup de sifflet final de l'arbitre. Voilà une dernière victoire et au bout de cet ultime succès, le titre, ils sont champions. Historique, on vit tous ensemble un moment historique. La joie des supporters, des joueurs, de l'entraîneur, c'est fabuleux, ils sont champions. Ce match et cette victoire sont vraiment à l'image de la saison. C'est une équipe qui vraiment nous a fait vibrer, nous a régalé de bout en bout, nous ont fait plaisir à voir et à commenter. Ah, c'est vraiment fort comme instant, c'est un moment magnifique. Quand vous êtes joueur et que vous avez fait tous ces efforts pour en arriver là, c'est vraiment un sentiment de consécration exceptionnel. On va malheureusement maintenant se dire au revoir à l'issue de cette belle soirée. Christophe, merci de l'avoir vécu à nos côtés et à très bientôt à tous. Bonsoir.